Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Les Fleurs du Mal. Mais ce coup-ci, version Kamimura et Okazaki. À l'ancienne, mon pote. Tout comme cette fleur. Je ressemble un petit peu à un Pikmin, non? Tant pis. L'histoire débute fin 74 au Japon. Un certain Hayanagi Ranosuke doit passer devant un tribunal. Ce type, c'est le maître de la célèbre maison Kurokami, hyper réputée dans l'Ikebana, l'art floral. Qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver là? Non, c'est pas un excès de vitesse. Non, il a pas défilé avec les gilets jaunes non plus. Ce brave Ranosuke est accusé d'avoir torturé, violé et tué environ 850 femmes. Ouais, costaud. D'ailleurs, son surnom est tout trouvé, l'empereur du vice. Mais si tu réfléchis 30 secondes, tu vas te demander comment il a pu arriver à ce score impressionnant sans jamais se faire choper. Eh bien, il a tout simplement profité de son statut avantageux, ainsi que de ses nombreuses relations politiques et économiques. Et figure-toi que, malgré le procès, il est encore bien chaud le bougre, et c'est pas une petite inculpation qui va l'arrêter. D'autant plus qu'il vient de repérer une petite jeunette là de 19 ans, super jolie, Kawabata Sayuri, qu'il envisage tout bonnement de prendre, mais pour épouse. Déjà, faut contextualiser car ce manga date tout de même de 1975. Perso, j'apprécie beaucoup le style graphique de Kamimura que je trouve très joli. Son utilisation du noir est assez profonde et il n'y a pas tant de dégradé que ça. Après, on retrouve tous ses poncifs, à savoir de la finesse et une grande douceur proche des estampes japonaises. Les proportions sont plutôt réalistes et on aura fréquemment des mix avec un trait à la fois très métaphorique, notamment concernant les fleurs, tu t'en doutes, mais aussi fort figuratif dans la représentation de la violence et de la pornographie. Ce mélange résonne bien avec celui que l'on retrouve dans la société dépeinte dans ce titre, empreinte de tradition mais aussi de modernité. Si on jette un œil au Nemu, il est bien maîtrisé avec un découpage majoritairement rectiligne, mais il y a aussi une bonne gestion des diagonales quand le besoin s'en fait sentir. T'auras aussi une présence non négligeable de grosses cases, de pleines ou de doubles pages pour imposer le rythme. Pour ce qui est des compos, elles sont très variées et également bien utilisées. Pour l'éditeur VF, c'est chez le Lézard Noir que sort ce titre et pas chez Kana, comme on aurait pu s'y attendre. Oui, ce titre est si borderline que ça m'étonne pas finalement. L'édition est superbe avec sa couverture rigide, mais également sa tranche, qui apporte une maniabilité à l'ouvrage qu'on voit peu souvent pour les titres en gros volume. Pas de page couleur, une impression et un papier de grosse qualité, des onojabs discrètement traduites et une adaptation des dialogues bien dans le délire du manga. En plus, t'as même une postface contextualisante, mais je l'ai trouvée un petit peu trop littéraire et pas assez sociétale. En fait, le seul souci de cette édition, c'est l'absence de résumé sur la quatrième de couve d'une œuvre vendue sous plastique. Heureusement que le bouquin est vendu sous scellé vu son propos, mais comment savoir ce qu'on achète, hein? Enfin, heureusement, Mangado est là. C'est pas la première fois qu'on parle d'une œuvre de Kamimura dans Mangado, et ce n'est pas la première fois non plus que Kamimura dessine sur un scénario d'Okazaki Hideo, puisqu'ils ont déjà œuvré ensemble sur le manga Le Fleuve Shinano. De mon côté, j'apprécie très clairement le style du regretté mangaka mort à seulement 45 ans. Son travail sur l'ère Showa, grosso modo la période contemporaine à son existence, est un véritable régal pour celui qui tend à connaître l'évolution de la société japonaise, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et si tu trouves ces mangas à l'ancienne has-been, laisse-moi te donner un dernier élément afin de t'intéresser à Kamimura, puisqu'il a tout de même été le sensei de Taniguchi Jiro, ainsi que d'Iwaki Itoshi, le mangaka de Kiseiju, Parasite en français. Comme j'ai pu l'évoquer précédemment, ce manga n'est absolument pas à mettre entre toutes les mains, puisque l'histoire qui est dépeinte est, à l'instar du recueil éponyme de Baudelaire, finalement, on ne peut plus dérangeante. Trop dérangeante, à mon humble avis. On va suivre un homme perverti au plus haut point, symbole de l'immoralité croissante de la société. Mais franchement, on est un peu beaucoup dans l'extrême. En gros, le gars a tué pas loin de 1000 meufs en leur faisant subir les pires tortures. Il les viole et, tiens-toi bien, c'est le plus soft. Puisqu'il lui arrive aussi de leur découper fréquemment leur appareil génital. Ouais, il est un peu collectionneur, le monsieur. Il boit leurs menstruations, leurs règles, quoi. Il les humilie. Il est fait bouffer par des chiens. Bref, le gars a aucune limite. Et j'ai trouvé que ça allait un peu trop loin dans l'extrême, ce qui, au final, enlève une grosse part de réalisme. En plus,
J'ai trouvé ça parfois bien trop explicite, alors que justement, Kamimura maîtrise à la perfection la symbolique. La violence est donc too much, mais également l'impunité dont il bénéficie. En clair, le gars est dans les petits papiers du gouvernement, il a donc la possibilité de faire jouer ses relations pour éviter une procédure d'incarcération. Mais là, tiens-toi bien encore une fois, il va jusqu'à mettre en place une guerre face à un autre pays pour entériner ses démêlés avec la justice. Je veux bien, mais à aller trop loin, on tombe un peu dans le ridicule. Et pourtant, le reste est tout bon. Le rythme narratif est excellent et les chapitres se suivent parfaitement sans jamais lasser le lecteur. T'as aussi le perso de la nouvelle femme d'Ayanagi, Sayuri, qui donne beaucoup d'épaisseur à ce titre. Son lien avec son petit copain, avec son nouveau mari, avec l'ex-femme, tout est super intéressant. En plus, rien n'est figé et tout évolue au fil du temps. Bref, il y a de quoi lire de manière intéressante et intelligente avec un paquet de pistes à explorer. Mais pour tout te dire, j'ai trouvé aussi que, pour le moment, la condition de la femme était beaucoup trop bafouée. Je sais, c'était également le cas à l'époque, mais bon... Oh, il reste un volume et tout peut changer. Faudra voir comment s'organisera le tome 2. En tout état de cause, Les Fleurs du Mal est un titre très particulier de Kamimura, où la perversion et le côté malsain atteignent certainement des hauteurs un peu trop exacerbées à mon goût. Et pourtant, en termes de narration pure, ça reste très bien mené avec beaucoup de pistes de réflexion sur la société en mutation du Japon. Et pour continuer dans la même optique, il faudra jeter un œil au fleuve Shinano, l'autre titre où ont collaboré Kamimura et Okazaki. Ershowa, difficultés sociales, et notamment en ce qui concerne les femmes. Une nouvelle manière de découvrir le fleuve le plus connu du Japon. Sinon, t'as aussi In This World, un yaoi mettant en avant un profiler, bossant pour la police, mais aussi un tueur en série. En plus de ça, le récit se focalise également sur l'importance des rêves. Et puis, j'ai également trouvé que certains aspects pouvaient me rappeler le cultissime Yu Yu Hakusho. Concrètement, ça parle d'Urameshi Yusuke, un humain qui va jouer les éradicateurs de vermine dans le monde des esprits. Le lien avec les fleurs du mal. Une partie du manga fait clairement référence à la violence extrême que les humains peuvent exercer sur leurs congénères. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Les Fleurs du Mal. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.